Suite et milieu d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à l'immense penseur de la petitesse de l'homme, celui dont la vraie philosophie se moque de la philosophie comme la morale véritable se moque de la morale, Blaise Pascal, dont les fragments rassemblés sous le titre de pensée constituent, selon son lecteur, tantôt une vibrante apologie de la religion chrétienne, tantôt l'énoncé imparable et désespérant de la misère de l'homme sans Dieu. Hier, Jean-Pierre Clérot évoquait pour vous la question redoutable de l'imagination chez Pascal, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, d'autant plus fausse et fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Avant-hier, Gérard Ferrérol, à qui on doit notamment l'appareil critique qui accompagne l'édition Cellier des Pensées, l'édition de livres de poche, donc Gérard Ferrérol était revenu pour vous sur le contexte culturel et intellectuel de la rédaction des pensées. Et aujourd'hui, c'est Laurent Thirouin qui enseigne la littérature française du XVIIe à l'université de Lyon 2 et qui signe chez Vrin Le hasard et les règles, sous-titre Le modèle du jeu j e dans la pensée de Pascal. En compagnie de qui, donc Laurent Thirouin, nous allons passer 50 minutes autour du fameux fragment intitulé Infini rien dans lequel Pascal formule son pari. Qu'est-ce que le pari pascalien? Comment tourner l'incrédule vers ce dieu qu'on ne chercherait pas si on ne l'avait déjà trouvé? Bonjour Laurent Thirouin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Culture. Nous connaissons donc l'existence et la nature du fini parce que nous sommes finis et étendus comme lui. Nous connaissons l'existence de l'infini et ignorons sa nature parce qu'il a étendu comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Mais nous ne connaissons ni l'existence ni la nature de Dieu parce qu'il n'a ni étendu ni borne. Euh, Laurent Thiron, c'est Pascal hein, qui dit ça dans le fragment justement intitulé Infini, rien. Euh, un homme qui dit nous ne connaissons ni l'existence ni la nature de Dieu parce qu'il n'a ni étendue ni borne, un homme qui dit ça croit-il en Dieu Oui, oui, Pascal croit en Dieu, ça n'est pas un scoop, mais ce qui est un scoop, en tout cas ce qu'il était à son, à son époque, ce qu'il était au XVIIe siècle, c'est qu'il croyait que ceux qui ne croyaient pas en Dieu avaient raison de ne pas croire en Dieu. Il donne raison à l'incroyant. Mais on n'a pas forcément raison d'avoir raison chez Pascal, mais, Non. Mais, mais, euh, non. mais il comprend la raison de l'incroyant et. À une époque où les apologies, les défenses de la religion faisaient honte à l'incroyant, Pascal utilise une, une partie considérable de son apologie à rendre raison de l'incroyance. Et à justifier l'incroyance. Justi voilà, justifier l'incroyance. Ou l'athéisme, cette marque de force d'esprit, oui. jusqu'à un certain voilà. degré seulement. Là, avec une petite particularité aussi, qu'il faut peut-être souligner et que le, le pari nous amènera à, à explorer de façon un petit peu plus attentive. C'est que son interlocuteur, ça n'est pas le, le libertin érudit, c'est-à-dire le savant qui avait sondé les textes, qui connaissait la Bible, qui connaissait la différence entre les généalogies du Christ, qui avait toutes les argumentations anti-religieuses. Non, c'est le libertin bas de gamme, c'est le libertin qui ne s'intéresse pas à la religion. Euh, c'est en fait quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, ou qui ressemble à beaucoup de nos contemporains. C'est ce qui fait que Pascal, malgré toutes ses convictions, et malgré sa foi absolument vibrante, euh, reste aujourd'hui un interlocuteur de premier ordre, un interlocuteur qui continue à fasciner. Mais quelle est cette, cette foi Peut-être est-ce d'ailleurs l'essence même de la foi. On, on, on dit souvent la foi ou la joie d'ailleurs, malgré le monde, la joie malgré le monde, malgré toutes les preuves de l'inexistence oui. de Dieu que le monde oui. peut nous apporter au quotidien, il faut oui. rester dans la joie, oui. ou bien maintenir la foi malgré tous les désaveux évidemment que, oui. que l'existence oui. peut apporter. Euh, alors euh, cette foi, c'est tertulien, hein, je, je crois, parce que c'est absurde. Ouais. Alors, euh, une, une citation de la Bible que Pascal affectionne, tout le monde sait ça, c'est un petit verset d'Isaïe, où Isaïe s'adresse à Dieu en disant ⁇ Vraiment, tu es le Dieu caché ⁇ Donc cette question du Dieu caché, un, un Dieu qui est absent, euh, revient en permanence chez Pascal, c'est ce qui avait donné le titre de, du, du vieux livre de Goldman, qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, mais qui a quand même nourri pas mal de réflexions. Et donc pour Pascal, c'est l'absence de Dieu qu'il faut considérer, avec étonnement. C'est pour ça que je vous demande s'il si croit en Dieu. Oui, mais alors, le déus, c'est ce qu'on dit tous. La réponse Dieu de Pascal, qu c'est que quelqu'un qui est absent, <laughs> c'est quelqu'un qui existe. Pour être absent, il faut être là et ne pas être là. Euh, oui, enfin pardonnez-moi hein, Laurent dites-moi, ouais. mais que, que, quelle est la différence entre ça et un sophisme euh, <laughs> Qui consiste à dire de deux choses l'une, voilà. soit il existe, on le voit, il nous crève les yeux, n'est-ce pas euh, On mmh. le voit tellement qu'il nous mmh. crève les yeux et qu'on finit par mmh. le voir donc, avec les vrais yeux. Soit il est caché mmh. et donc, oui. euh, plus exactement, soit il n'est pas là et donc il se cache. Non, il se cache, il n'est pas absent, il se cache. Alors pourquoi Dieu se cache-t-il Pourquoi ne il se, se montre-t-il pas et à qui se cache-t-il Hein c'est une question qui. Ben Pascal consacre une liasse complète, euh, qu'il appelle fondement, euh, à la, la raison de, de cette espèce de jeu de cache-cache que Dieu jouerait avec Mais c'est ce que j'allais vous demander, hein pourquoi ce cache-cache Voilà, pourquoi ce cache-cache euh, Pascal affronte hein, ce problème euh, et répond que, que Dieu doit être cherché, qu'il se laisse trouver euh, à condition qu'on le cherche, et puis. Il, il est attaché aussi à cette, à cette théologie qui est la théologie augustinienne très très stricte de la grâce efficace euh, donc c'est un problème qu'on peut préciser il faut préciser voilà, pour l'auditeur qu ce que signifie la grâce, le, la grâce efficace à Laurent la grâce efficace ça veut dire que euh, toute, toute foi en Dieu ne peut venir que de Dieu c'est à dire que Dieu est celui qui est capable de nous amener à lui mais que nous ne pouvons rien faire pour aller à lui ce qui pose un problème de logique immédiat, pourquoi quelqu'un qui est convaincu que la grâce est efficace euh, passe-t-il toutes les dernières années de sa vie à écrire ce qui semblait devoir devenir une apologie de la religion chrétienne À quoi ça sert euh, de raconter des choses sur la religion ou d'essayer de convaincre des libertins qu'ils soient bas de gamme ou qu'ils soient haut de gamme, euh, puisque de toute façon, au bout du compte, il n'y a qu'une chose, c'est la grâce et puis surtout, pourquoi cet homme qui fait dire à Christ, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, oui. euh, pour, pour, pourquoi chercher ce qu'on a trouvé Pourquoi chercher ce qu'on a sous la main Que signifie cette parce recherche que, Parce que l'amour, c'est quand même d'abord chercher. Euh, avoir le sentiment qu'on a trouvé quelqu'un, avoir le sentiment qu'on a, on a tout quelqu'un, c'est commencer à ne plus l'aimer. Alors on va, euh, on va revenir là-dessus, parce que euh, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, euh, fait penser euh, à Montaigne, euh, qui, euh, décrivant la chasse euh, d'ailleurs, Pascal lui même est, est familier de, de, de la chasse, enfin il, a, il aime en parler comme un des, un des modèles du divertissement, une des figures du divertissement. Montaigne lui même, parlant de la chasse, explique que c'est moins le gibier que la chasse qui nous importe. Je voudrais qu'on entende, Laurent Tirouin, deux commentateurs, deux excellents commentateur de Pascal, Marguerite Duras et François Mitterrand, euh, évoquant justement et la position de l'incroyant, le cri de l'incroyant, enfin l'éventuel cri de l'incroyant et en même temps le, le rapport peut-être entre, entre Pascal et Montaigne. Vous connaissez bien Pascal oh, Comme tout honnête homme, mais pas comme un Je, je l'ai pas fréquenté pas, pas mal, mais je pense ah. à lui tout de suite quand vous parlez du doute. Je crois que Pascal ne croyait pas en Dieu. Ça peut se défendre. C'était des hurlements, de, des cris de désir de croire. C'était des cris d'incroyants vers la foi. Mais c'est ça, Pascal, pour moi. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, sauf que là, c'était paroxystique. Un peu de, de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Oui, il a écrit ça, mais il a écrit autre chose. Dieu, Dieu, Dieu. Ah. Bon. L'appeler. <laughs> je sais pas là, vous, vous tranchez un peu vite. Je ne tranche pas, hein. Je, je pas, oui, non, vous pensez je, ça, vous sentez ça. Je, non, quand vous avez parlé du doute, du doute créateur, j'ai oui. pensé à Pascal. Le et... vrai, le beau doute, c'est celui de Montaigne, quoi, à mes, à mes yeux. Oui, moi je suis... Enfin, et... On a parlé trop longtemps, hein, déjà. Vous pensez ça, vous sentez ça, dit François Mitterrand. C'est étonnant d'ailleurs cette, cette petite précision typiquement pascalienne. Pascal était l'homme selon qui les, les principes se sentaient euh, avant d'être euh, pensés. On sent là le lecteur de Pascal. Et, et pour l'anecdote d'ailleurs, dans les, les photos qui étaient dans les mairies jusqu'en 1995, euh, les deux septennats de Mitterrand le montraient en train de lire les essais de Montaigne. Euh, mais euh, que restons sur Marguerite Duras un instant, Laurent Tiron. Euh, que répondez-vous à quelqu'un qui, lisant les pensées, sent euh, entend ouais. le cri, Donc, le hurlement de l'incroyant. Je lui répondrai une chose qui, qui revient encore à cette question de la grâce efficace. Parce que la grâce efficace, on la, on la regarde avec ce qu'elle est désagréable, quand, surtout quand on n'en quand on bénéficie pas. On dit qu'est ce que je peux faire, ceux qui ont la chance de, de bénéficier de la grâce efficace. Mais Pascal lui même, croyant en la grâce efficace, sait qu'il est un incroyant potentiel, il sait que Dieu peut se retirer à tout moment. Il sait que la personne à qui il s'adresse est une personne qui peut se trouver dans, dans quelques heures, dans quelques jours, dans la situation symétrique de lui écrire une apologie alors que lui-même ne croirait plus en Dieu. Et il le dit, il le dit dans les pensées euh, partagées entre l'exaspération devant les incroyants qui n'ont pas de souci de leur salut et la crainte de se trouver lui-même, pourquoi pas, dans leur situation. Euh, cette religion nous oblige de, le, de les regarder toujours tant qu'ils seront en cette vie comme capables de la grâce qui peut les éclairer, et nous-mêmes de croire que nous pouvons nous trouver dans leur situation dépourvue de la grâce. Donc, il y a de l'incroyant en Pascal, il y a en tout cas la, la conscience permanente qu'il peut devenir incroyant, qu'il peut être abandonné de Dieu, c'est sa dernière parole, hein, que Dieu ne m'abandonne pas, qu'il ne m'abandonne jamais. Bah, C'est la ouais. dernière parole du mémorial également euh, ouais, ouais. que je n'en sois jamais abandonné ouais. euh, le, le, le mémorial de Pascal, ce texte hallucinant qu'il écrit sous ouais. l'effet d'une révélation ouais. euh, où il voit Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et non des philosophes et des savants ouais. euh, ce, ce texte étonnant auquel il tenait plus que tout et qui est en fait une juxtaposition de phrases de la, extraites ouais. de la Bible euh, ce texte est ponctué ouais. en permanence. De... Alors il y a des moments de joie, voilà. joie, 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 ouais. pleurs de joie. Mais il y a des moments, voilà. mon Dieu, m'abandonnerez-vous Que je n'en sois jamais abandonné. Il y a cette crainte ouais. permanente. Ce, ce Dieu caché est un Dieu qui apparaît par intermittence. C'est un Dieu qui, qui séduit. C'est un Dieu qui inonde de sa joie, mais dont on n'est jamais sûr. Qu'on ne peut pas posséder parce que c'est un Dieu d'amour et que l'amour. Interdit la possession. C'est tout le paradoxe d'ailleurs de la, de, de la foi, en l'occurrence. Euh, euh, on ne trouve chez Pascal aucune démonstration de l'existence de non. Dieu, contrairement à des gens qui ne croient pas en lui d'ailleurs et qui le démontrent pour les besoins de la cause. Et un refus principiel de toute démonstration. À quoi tient ce refus de démontrer l'existence de Dieu Est-ce que c'est parce que si Dieu est démontré, il est un objet de raison et par conséquent il n'est plus Dieu Oui, bien sûr. Et puis, parce que de toute façon, s'il est démontré, euh, il ne nous intéresse pas. Euh, ça n'est pas. Euh, ça n'est pas le, le réel véritable que, avec qui on souhaite être mis en contact. Donc c'est un dieu, un dieu de philosophe, un dieu, un dieu d'abstraction. Euh, c'est un dieu qui n'a pas de, de prise sur notre vie et c'est un dieu qui ne s'adresse pas à notre amour. Voilà. De sorte que ce dieu dont il ne démontre pas l'existence euh, est un dieu vers lequel néanmoins la raison nous conduit et c'est là qu'intervient donc ce fameux mmh. fragment hein, qu'on ouais. va, qu va évoquer avec vous laurent tiroin euh, le fragment du Paris infini rien. d'où vient le titre hein de du brouillon de pascal? Ouais. donc, c'est les premiers mots hein, qui, qui commencent ce texte. alors, comme ces premiers mots sont bizarres, on avait pris l'habitude euh, scolaire d'appeler ce texte le Paris ouais. mais il faut bien rappeler, hein, comme vous l'avez fait au début de l'émission, il faut bien rappeler que euh, s'il y a un titre, Enfin, les premiers mots du texte, c'est Infini Rien. Il semblerait, quand on compare à d'autres textes de Pascal, que Pascal avait intitulé pour lui-même ce texte Le discours de la machine. Le donc, discours de la machine. Voilà, même. donc si ce texte avait un titre, c'est Le discours de la machine. Euh, si on lui donne ses premiers mots comme titre, c'est Infini Rien. Quant au pari lui-même, ça n'est qu'un des éléments de, du texte, et c'est sans doute pas l'élément essentiel, euh, comme comme l'a très bien vu par exemple Romère dans son film euh, euh, Conte d'hiver, où l'on comprend très très bien de quoi de quoi le pari n'est pas le pari. Ben on va entendre justement l'extrait dont vous parlez, donc l'extrait de, de Conte d'hiver. J'ai pensé, tu sais, dans cette seconde qui était pleine de choses, que j'étais seul au monde, seul dans l'univers, et que c'était à moi de jouer. Et que je n'avais pas à me laisser faire ni par les uns, ni par les autres, ni par rien. Enfin, ça ne te fera pas retrouver Charles. Ouais, mais ça m'empêchera de faire des choses qui m'empêcheraient de le retrouver. Et puis... Tu sais, j'ai aussi pensé à autre chose dans cette même seconde. T'as peut-être raison, j'ai peut-être que très peu de chances de le retrouver. Et puis après tout, il est possible qu'il soit marié ou qu'il ne m'aime plus. Mais c'est pas une raison pour que je renonce. Enfin, si toi-même avoues que tes chances sont pratiquement nulles, tu ne pas gâcher ta vie pour. Euh, Mais enfin, si, je... parce que si je le retrouve, ce sera une chose tellement. une joie tellement grande que je veux bien donner ma vie pour ça. D'ailleurs, je ne la gâcherai pas. Vivre avec l'espoir, c'est une vie qui en vaut bien d'autres. tu sais ce que tu dis Oui, et je le pense, même si ça paraît idiot. Alors ça me paraît d'autant moins idiot que quelqu'un de très intelligent l'avait dit avant toi. Presque mot pour mot. Je ne pense pas que tu l'aies lu. Shakespeare Non, non, non. Pascal. Ah, euh, c'est un philosophe Oui, d'une certaine façon, oui. Il appelle ça le, le pari. Il dit qu'en pariant pour l'immortalité, le gain est si énorme que cela compenserait la faiblesse des chances. Et que, même si l'âme n'est pas immortelle, le croire permet de vivre mieux que si on n'y croit pas. Mais moi aussi, je crois que l'âme est immortelle. Et même, je le crois plus que toi. Toi, tu y crois seulement après la mort moi, je crois qu'elle existe aussi avant la naissance. Mais écoute, Edwige t'a peut-être convaincu, mais pas moi. Mais j'ai pas besoin d'Edwige pour y croire. Ça me paraît évident. Si l'âme continue à vivre après, je vois pas pourquoi elle n'existerait pas avant. Mais qu'est-ce que l'âme sans l'identité de la personne Si tu n'as plus de souvenirs de ta vie antérieure, ce n'est plus toi. Mais si, j'en ai conscience. Ça existe. C'est pas très clair, mais ça existe. Toi aussi, t'en as, mais tu t'en rends pas compte pourquoi ai-je la certitude que j'aime Charles hein Comment puis-je en être absolument sûr Quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression de quelque chose de déjà connu. Alors comment tu expliques ça Sinon parce que nous nous sommes déjà vus dans une vie antérieure. Arrête, Félicie, tu me tues. Mais mais c'est pas des conneries Non, là encore, tu as la science infuse. Ah, mais ce n'est plus Pascal. Victor Hugo Non. Platon. Ah. Hein Il manque celui-là. Et alors tu vois, il croyait à la réincarnation, lui aussi. Oui, et non. Enfin, c'est une autre histoire. Le coup de génie de Romère dans cet extrait, d'ailleurs, c'est de faire de Platon, avec sa théorie de la réminiscence, un, un penseur du coup de foudre. On reviendra dessus, certainement, dans une semaine sur Platon, dans les, dans les nouveaux chemins. Restons sur ce qu'ils disent du Paris, euh, justement, euh, Laurent Tiroin. En quoi ce, ce, ce passage euh, du, du conte d'hiver euh, vous semble exemplaire de la problématique pascalienne du Paris Moi, je suis très admiratif hein, devant, devant ce film de Romère. Qui, qui me semble avoir, euh, avoir perçu le cœur même de l'argument de Pascal. Alors, je ne sais pas si le, le passage qu'on qu vient d'entendre est très compréhensible par euh, ceux qui n'ont pas l'histoire en tête. Hein. C'est une, une jeune fille qui a, qui a perdu, pas, par une série de, de, de hasards, euh, la personne qu'elle aimait, euh, qui a un enfant de, de, de cet homme, et puis, puis les années passent, elle ne sait pas si, si l'homme n'est pas marié, elle n'a aucune chance de le retrouver. Et il faut elle-même qu'elle prenne une décision. Donc que va-t-elle faire Voilà l'histoire du, du conte d'hiver. En somme, elle est embarquée. Alors, elle est embarquée. Et puis, bon, il y a quelqu'un dans le, le souvenir de l'amour de qui elle est, elle est encore en train de vivre. Et elle se rend compte que ça n'a pas de sens. Tout miser sur le retour de quelqu'un qui n'a pas son nom, qui n'a pas son adresse, qui est probablement déjà marié et qui l'a peut-être déjà oublié. J'ai très peu de chances de le retrouver. Puis, il est possible qu'il soit marié, dit-elle. Puis, il est possible qu'il ne m'aime plus. Et pourtant, elle prend la décision dans le film, et c'est ça qui est la, la décision pascalienne, elle prend la décision de ne pas refaire sa vie, de, de l'attendre. C'est le, le vertige du, du pari On va entendre un, un premier extrait qui vous est lu par Georges Claes, qui est avec nous en direct dans le studio justement du, du Paris pascalien. Parlons maintenant selon les lumières naturelles. S'il y a un Dieu, il est infiniment compréhensible. Puisque n'ayant ni parti ni borne, il n'a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il si est. Cela étant, qui osera entreprendre de résoudre cette question Ce n'est pas nous, nous n'avons aucun rapport à lui. Qui blâmera les chrétiens de ne pouvoir rendre raison de leurs créances, eux qui professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison il déclare en l'exposant au monde que c'est une sottise tout le tient et puis vous vous plaignez de ce qu'il ne l'approuve pas s'il l'approuvait il ne tiendrait pas parole c'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens examinons donc ce point dieu est ou il n'est pas mais de quel côté pencherons nous la raison ne peut rien y déterminer il y a un chaos infini qui nous sépare il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie, où il arrivera, croix ou pile. Que gagerez vous Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défendre nul des deux. Ce qui est frappant, euh, Laurent Thirouin, euh, dans le texte du Paris, c'est euh, que c'est un. manifestement, c'est un, un texte où la, la, le, le raisonnement mathématique occupe une place essentielle, importante, l'architecture est mathématique. Et pourtant, c'est un texte qui ne cesse là encore de dire que, comme il le dit ailleurs, d'ailleurs, la raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Ce n'est pas une affaire de raison. Oui, c'est un, une tension qu'on retrouve en permanence chez Pascal, donc qui est un, un des grands euh, mathématiciens mathématicien de, mathématicien de son temps, qui est un homme de raison et dont la, dont la pensée semble être une pensée en permanence hostile à la raison. Mais alors quelle est la place et la, la, la signification du raisonnement mathématique dans le fragment du Paris Bon, C'est un, un problème euh, intéressant. Euh, C'est un texte très provoquant. Et moi, ça me surprend aussi que ce, que ce texte, y compris dans les caricatures qu'on en donne, et bon, il faudra d'ici la fin de l'émission que je montre en quoi le, le film de Romère, justement, nous fait échapper à ces caricatures. Allez-y, hein, allez n'hésitez pas. Hein. Je ne sais pas dans quel ordre dire les choses. Non, 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 non mais, de, mais dans, dans, dans l'ordre que les, vous voulez. Bon, ce les... sera la première fois qu'on dira du bien de Romère dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Bon, eh ben, alors. La caricature du Pascal, la caricature du pari de Pascal, c'est un argument utilitariste. Ça a choqué dès le début. Un, un des premiers textes anti-pascaliens, euh, des premières critiques des Pensées, s'est accroché euh, au Paris. C'est Voltaire. Non, non, bien avant, bien avant quelqu'un totalement inconnu, hein, que l'abbé de Villars, mmh. qui a écrit dans un texte de la délicatesse, qui est horrifié par le Paris. Alors, qui affecte en plus d'être horrifié Je croyais que vous étiez contre les jésuites, que vous étiez contre les casuistes, et vous nous transformez la religion en une espèce de négociation. Euh, je n'y crois pas, mais je gagnerais plus si j'y croyais. Qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce que je perds Voltaire euh, lui-même, hein, je le cite, mmh. cet article me paraît un peu indécent et puéril. Cette idée de jeu, de perte et de ouais. gain, ne convient point à la gravité du sujet. Voilà. 25e voilà. lettre philosophique bon. de Voltaire. Voilà. Donc, le pari a priori, c'est Bon, je ne sais rien, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si Dieu n'existe pas, je ne peux rien savoir, qu'est-ce que j'ai intérêt à croire voilà. Donc, à partir de là, on va calculer des intérêts. Donc, double provocation un texte utilitariste qui affecte de regarder la question de la foi en termes d'intérêt et un texte scientifique qui convoque des notions mathématiques toutes récentes, qui sont ce que nous on appelle aujourd'hui la probabilité. Et que Pascal appelait, lui, plutôt la géométrie du hasard ou la règle des parties. Il faut, il faut que l'auditeur entende. On va revenir sur oui. la règle des parties, justement. Le parti ou le pari, puisque finalement, ah. étymologiquement, c'est le même mot. Euh, on, on va, on va, il faut donner quand même à entendre ce texte et ce moment particulièrement utilitariste, euh, comme vous dites, du, du texte. C'est Georges Kless qui le lit. Voyons. Puisqu'il y a pareil hasard de gains et de pertes, si vous n'aviez qu'à gagner deux vies pour une, vous pourriez encore gagner. Mais s'il y en avait trois à gagner, il faudrait jouer puisque vous êtes dans la nécessité de jouer, et vous seriez imprudent, lorsque vous êtes forcé de jouer, de ne pas hasarder votre vie pour en gagner trois à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a une éternité de vie et de bonheur. Et cela étant, quand il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gager un pour avoir deux, et vous agirez de mauvais sens, en étant obligé de jouer, de refuser de jouer une vie contre trois, à un jeu où d'une infinité de hasards il y en a pour vous s'il y avait une infinité de vies à gagner. Il ne sert à rien de dire qu'il est incertain si on gagnera et qu'il est certain qu'on hasarde et que l'infini distance qui est entre la certitude de ce qu'on s'expose et l'incertitude de ce qu'on gagnera égale le bien fini qu'on expose certainement à l'infini qui est incertain. L'incertitude de gagner est proportionnelle à la certitude de ce qu'on hasarde selon la proportion de hasard, de gain et de perte. Et ainsi, notre proposition est dans une force infinie quand il y a le fini à hasarder à un jeu où il y a pareil hasard de gain que de perte et l'infini à gagner. Cela est démonstratif. Et si les hommes sont capables de quelque vérité, celle-là l'est. Cela est démonstratif, hein, Laurent tiroin hein. C'est démonstratif. En gros, si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Donc pariez. Voilà. Alors, Il est gonflé quand même. Oui. Vous avez, vous avez lu ce texte difficile, <laughs> bravo, euh, en sautant un petit passage particulièrement difficile à comprendre, quel passage sur lequel je m'étais arrêté. Alors allez-y, allez c'était à deux Allez-y. Hein. Euh, il y a ici, dit Pascal, une infinité de vies infiniment heureuses à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de pertes, et ce que vous jouez est fini, cela ôte tout parti. Cela ôte tout parti. Qu'est-ce que ça veut dire Drôle de formule. Alors là, je m'amusais quand je, quand je commençais à travailler sur ce texte, à chercher dans toutes les éditions, qu'est-ce que je trouvais comme note à cela ôte tout parti. Alors, soit je n'en trouvais pas, ce qui est, ce qui est de, de habituel dans les éditions plus ou moins savantes, soit je trouvais la traduction. Qui nous paraît la plus, la plus appelée par le texte, cela ôte toute hésitation. Oui. Cela dit, ça semble vouloir dire le contraire. Si cela ôte tout parti, toute décision, ça veut dire que cela empêche de décider quoi que ce soit et donc que ça nous installe dans l'hésitation. Alors évidemment, ce n'est pas ça que Pascal veut dire. Quand il dit cela ôte tout parti, c'est là, très exactement, qu'il renvoie à. Ses travaux sur la règle des partis. Alors, partie, c'est. On, on est obligé d'être un petit peu. Allez-y, 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 allez-y. Un, un, un peu technique. Hein. Non, non, parties mais. Un mais... peu technique. Parti, P-A-R-T-I-S, euh, sans E à la fin, ça veut dire répartition, division. Hein. C'est comme quand on dit avoir maille à partir, savoir maille à, à partager. C'était le problème qui avait été posé à Pascal par un de ses amis, un de ses libertins. Le chevalier euh, de Merret, chevalier de Mérée, exactement. Qui lui posait la question suivante Quand on a un jeu qui dure, qui est un jeu de pur hasard, qu'il y a beaucoup d'argent sur la table et qu'on doit se séparer, il faudrait pouvoir faire le parti des jeux. Voilà. Faire le parti des jeux, ça voudrait dire faire la répartition des mises. Et là, problème, c'est que des joueurs savent très bien que si on était à deux doigts de gagner, puisque le jeu est de pur hasard, on n'était pas totalement sûr de gagner, mais quand même, on s'attend à gagner. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord pour répartir moitié-moitié. Et puis, de façon générale, un joueur a du mal à quitter la table. Oui, enfin bon. problème qu'on pose à Pascal, c'est celui-là. Comment répartir, alors que quelqu'un est plus près de la victoire qu'un autre, dans un jeu de pur hasard, les sommes qui sont sur la table Alors, une réponse toute bête au 17 septième, c'est de dire de toute façon, c'est le hasard, le hasard, c'est n'importe quoi, donc tout peut arriver, donc on répartit les choses équitablement. Et on sentait confusément, à l'époque de Pascal que le hasard, quoi qu'il soit indépendant de toute nécessité, avait une certaine forme de développement qui faisait que celui qui avait gagné deux parties enfin de deux manches sur trois, devait gagner plus d'argent que celui qui en avait gagné encore zéro même si rien ne nous garantissait qu'il n'allait pas... Le, le, que l'un n'allait pas se refaire voilà. et que l'autre voilà. n'allait pas faire Exactement. Voilà. Voilà. Donc, faire les parties, pour Pascal, c'est trouver une solution mathématique pour interrompre le hasard. On arrête le jeu... Et chacun, explique Pascal, doit rentrer en possession d'une somme proportionnée aux chances qu'il avait de gagner. Vous dites, c'est construire une relation d'équivalence entre, d'un côté, la certitude de ce qu'on hasarde, et de l'autre côté, l'incertitude voilà. de ce qu'on peut gagner. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, la grande découverte mathématique de Pascal, c'est qu'il existe une géométrie du hasard. Lui n'est même, même pas allé jusqu'à jusqu l'espérance mathématique. Vous voulez dire la à possibilité, possibilité d'un comportement rationnel face au hasard Voilà. Et que, bien que le hasard soit... Euh, non euh, déterminant, euh, il s'applique sur la réalité selon une sorte de, euh, de, de raison particulière. Ainsi, Pascal invente cette formule qui le met dans, dans tous ses états, il dit qu'il a il a inventé une nouvelle science, dit-il dans une dédicace à l'Académie parisienne de mathématiques, c'est en latin, une nouvelle science à laquelle il peut donner ce titre ahurissant de géométrie du hasard. Madame et monsieur, faites Rien ne va plus. Rien ne va plus dans les nouveaux chemins de la connaissance, euh, Laurent Tirouin. Euh, on en est à la question du Paris chez Pascal. Euh, on ne voit plus très bien, d'ailleurs, quelle est la différence entre une église et un casino. Voilà. Non, ça c'est le, le reproche que, que l'on a fait dès le début à Pascal. Euh, donc on appelle le mathématicien. Il calcule le parti. Il vous dit voilà, vous pouvez quitter la table. Vous aviez misé. 60 pistoles. Si vous quittez la table maintenant, vous repartez avec 48 pistoles. Si ça ne vous plaît pas, vous restez, vous continuez le jeu. Alors, quel est le rapport entre cette situation mathématique de jeu et le pari et, et là, je crois que c'est le point capital, et c'est le point que Romer a très très bien vu. Et et je vais essayer de montrer pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de cette, cette espèce de calcul de commerçant. Qui consiste à dire euh, est-ce que les meilleurs hasard tu perds si peu voilà, et tu gagnes tant voilà. non il s'agit de savoir est-ce que je veux quitter le jeu le problème que pose la règle des parties et le problème que Pascal transporte dans le fragment infinirien, rien c'est est-ce que je vais quitter le jeu est-ce que je vais cesser d'être un libertin pour dire les choses très simplement euh, je crois qu'il y, y a une erreur dans le terme de pari c'est qu'on imagine toujours le pari comme un jeu que l'on commence je vais parier pour Dieu ou je vais pas parier pour Dieu bon alors là je crois que Pascal lui- même serait le premier à dire si vous n'avez pas envie ne le faites pas euh, il n'y a pas de raison de prendre ce pari si vous êtes allergique au risque, mais ce n'est pas la situation dans laquelle nous installe Pascal Pascal nous dit vous êtes pris dans un jeu le vous jeu a embarqué. déjà commencé vous êtes embarqué vous êtes né. vous êtes, êtes né voilà. vous, vous existez vous vivez donc une, euh... une mise a déjà été faite, une mise a déjà été faite sans vous pour vous. Une mise dont vous bénéficiez. Pour lui, en termes en terme chrétiens, on appellerait cette, cette mise la grâce. On n'est pas obligé d'utiliser les termes chrétiens tout de suite. Donc, le jeu existe, le jeu se déroule, et on vous demande Voulez-vous le quitter Alors, Pascal arrive, dit Je vais calculer ce à quoi vous avez droit si vous le quittez. Et il arrive après à cette solution ben Non, il n'y a pas de partie. Je ne peux pas calculer de partie. Si vous quittez le jeu, vous perdez. Vous perdez à tous les coups. Donc, l'alternative, c'est. Soit la certitude de perdre. À tous les coups. À tous les coups. Soit la possibilité, soit de, la de, possibilité de, de, de gagner. De, 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 de casser Alors, la banque. Quel, quel rapport avec Romère ouais. hein, Le rapport avec Romère, et ce qu'explique très très bien son, son personnage qui s'appelle Félicie, hein, Félicie, évidemment le, le nom est transparent. Ma, le, Madame le, Bonheur, le, oui. Madame Bonheur. Hein, C'est est-ce qu'elle veut encore espérer Ou est-ce qu'elle décide d'arrêter d'espérer Donc dans un premier temps du film, elle estime que ça n'a plus de sens d'espérer. Et puis dans un deuxième temps du film, justement après, euh, après avoir vu euh, Conte d'hiver de Shakespeare, et c'est le passage qu'on a entendu tout à l'heure, elle se dit, euh, ou elle explique, que, somme toute, elle préfère espérer à ne pas espérer. Hein. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est plus heureux en espérant qu'en n'espérant pas. Et c'est pas parce qu'elle espère, en, en retour de son, euh, de son homme Charles, qu'il va revenir. Mais elle estime, hein, j'ai les, les paroles sous les yeux, Vivre avec l'espoir, c'est une vie qui en vaut bien d'autres. Il ne s'agit pas du tout de s'imaginer que Charles va revenir parce que j'ai décidé d'attendre Charles. Et puis il y a un autre argument aussi de Félicie. Ça, c'est très intéressant, ouais. la question du retour de Charles. On va, on va, on va en parler. Allez-y, ouais. allez-y, Il y a un autre argument, alors là, qui est extraordinairement pascalien, donc qui, qui est totalement euh, décalqué de Pascal. Elle a cette extraordinaire formule. Son, son interlocuteur lui dit Bon, ça ne te fera pas retrouver Charles de rester sans te marier, de rester toute seule avec ton gamin, et elle répond oui, mais ça m'empêchera de faire des choses qui m'empêcheraient de le retrouver. Ça m'empêchera de faire des choses qui m'empêcheraient de le retrouver. Euh, Pascal présente son discours de la machine hein, euh, comme une lettre pour ôter les obstacles, mais on, ôter on, les obstacles, mais justement, on, ou on, ne on, pas mettre d'obstacles. Mais on entend bien dans le pari que ce qu'on gagne dans le pire des cas, dans l'hypothèse où on ne gagne pas tout. Ce qu'on gagne, c'est une vie de vertu. C'est une vie d'un homme qui croit. C'est la vie de, de, de l'homme qui a la foi. Euh, et c'est le, le, le gain certain euh, dans l'hypothèse du pari. Si on parie mmh. sur, sur l'existence de Dieu et qu'on se conduit de cette façon. Et, et de la même façon, d'ailleurs, que Félicie, finalement, la question du retour de Charles est secondaire par rapport à la ligne de conduite qu'elle choisit d'adopter. Mmh. Je pourrais vous rétorquer, Laurent tirant que mmh. la question même de la grâce devient secondaire par rapport à la ligne de conduite mmh. que le pari improvise. Mmh. Je voudrais, ou que le pari hasarde, justement. Mmh. Je voudrais qu'on entende Gilles Deleuze euh, parlait du, du, du Paris et expliquait que précisément Dieu n'est pas du tout l'objet du pari, mais c'est bien la, la vie du croyant elle même. Je suppose que on nous dit euh, Pascal, ah hein oui, Pascal il a fait un texte célèbre, c'est le pari. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? On parie. Et puis on lit le texte de Pascal, on s'aperçoit qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est une autre question qu'il pose. La question de Pascal, c'est pas est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas, euh, ce qui finalement serait une question là aussi pas très pas très intéressante. C'est quel est le meilleur mode d'existence, le mode d'existence de celui qui croit que Dieu existe ou le mode d'existence de celui qui croit que Dieu n'existe pas. Si bien que la question de Pascal, elle ne concerne absolument pas l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu, elle concerne l'existence de celui qui croit que Dieu existe et l'existence de celui qui croit que Dieu n'existe pas. Pour des raisons que Pascal développe, et qui sont les siennes, mais qui sont très dissibles, il pense que celui qui croit que Dieu existe a une meilleure existence que celui qui croit que Dieu n'existe pas. C'est son affaire, bon, c'est l'affaire pascalienne. Là, il y a un problème, il y a une question. Mais ça n'est déjà plus la question de Dieu. chaos de John Cage, qui vient ponctuer quelques, quelques phrases de Deleuze. Laurent Tiroin est avec nous pour parler du pari pascalien. Laurent Tiroin, qui est notamment l'auteur de Le hasard et les règles, modèle du jeu dans la pensée de Pascal, avec une préface de Jean Ménard, euh, paru chez, chez Vrin. Euh, Laurent Tiroin, euh, que répondre à l'objection de Deleuze, enfin l'objection qui n'en est pas une, à, à, à l'exégèse Deleuzeienne de Pascal la vraie question pour Pascal, ce n'est pas l'existence de Dieu, c'est quel est le meilleur mode d'existence de celui qui croit ou ne croit pas en Dieu. Je crois qu'il a parfaitement raison. Hein. Il a parfaitement raison et, et l'analyse précise du texte euh, le confirme parce que l'interlocuteur de l'apologiste, euh, de retrait en retrait, euh, finit par tout refuser. Donc c'est un texte. D'abord, il ne veut pas parier. Ensuite, il a peur de parier trop. Alors on lui explique que. Il ne parie pas trop, et puis il finit en disant ⁇ Mais je suis fait de telle sorte que je ne peux pas croire ⁇ Et comme le texte partait lui-même de l'idée que de Dieu on ne peut rien savoir, donc en effet, la question centrale n'est certainement pas dans le pari la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu, mais de du bonheur de l'espérance c'est un argument sur l'espérance qu'est-ce qu'on veut espérer mais c'est la raison pour laquelle euh, on, on, on peut et vous, vous le pointez d'ailleurs dans votre livre laurent tiroin hein, euh, la conclusion du du pari qui est un pari existentiel mmh. finalement euh, laisse dans l'ombre un élément crucial euh, du problème c'est la question de la mise bon, si dieu existe tout va bien on gagne tout mais si dieu n'existe pas euh, si Charles ne revient pas, en l'occurrence, est-ce que Félicie n'est pas promise à une vie de désespoir, justement, à force de vouloir. Elle, elle veut vivre dans l'espoir, elle va vivre dans le malheur, pendant que Charles refait sa vie et fait d'autres enfants et néglige, et néglige cette histoire-là. Euh, de la même façon, si Dieu ne revient pas, euh, euh, est-ce que celui qui a parié sur lui euh, euh, ne risque pas tout également Est-ce que ce n'est pas un peu non. rapide de dire qu'on ne risque rien Alors, bon. Félicie dans le film et Pascal dans, dans le fragment euh, infini rien euh, répondent que non ils répondent que on est plus heureux on n'a rien parié on n'a rien perdu on aura de toute façon une vie plus oui heureuse. mais Pascal croit en Dieu et Félicie est amoureuse alors bien ouais. sûr on ne chercherait pas Dieu si on l'avait pas déjà trouvé mais enfin quand même euh, quand on s'adresse au libertin par exemple et qu'on lui dit tous les faux biens tous non. les biens provisoires qui sont les vôtres non. abjurez tout ça tournez-vous vers Dieu que peut vouloir faire Pascal dans un texte comme celui-là et à qui s'adresse-t-il Bon. Ça, c'est des questions qu'on a, qu a posées de toutes les manières. Alors, il y a des gens qui ont répondu, bon, ce texte un petit peu bizarre, un peu provocateur, c'était une sorte d'apologie miniature pour des joueurs, mais elle n'avait pas sa place dans, dans, une, dans, dans, dans les pensées. Bon. Je, je, ne crois, je ne crois pas que ça soit juste. Je pense que le texte sur lequel on est, on est en train de, de s'acharner en ce moment, c'est un texte qui a parfaitement, précisément, sa place au début de la trajectoire pascalienne. Donc c'est un texte qui ne va certainement pas amener à Dieu. Mais il est évident que rien de toute manière ne va amener à Dieu. Mais c'est un texte qui entre dans la stratégie de Pascal de rendre la religion euh, vénérable et aimable. Pascal part, part de l'idée, euh, au début des Pensées, euh, qu'on a haine pour la religion et qu'on a et qu'on a mépris pour elle, c'est-à-dire qu'on a, on la trouve ridicule et en plus on a peur qu'elle soit vraie. Ce que veut faire ce texte, c'est nous convaincre qu'il y aurait un espoir qui mériterait d'être vécu. Il ne va pas plus loin. Mais il n'amène oui. pas à, à rencontrer Dieu, évidemment. De toute façon, Pascal ne, pense pas, euh, ne se donne pas le ridicule de penser qu'il pourrait amener à rencontrer Dieu. Alors, Par contre, il y a une dernière conséquence du texte, c'est ce qui le fait appeler par Pascal le discours de la machine. C'est un texte qui doit amener à une certaine discipline, une hygiène. À se comporter de telle manière. Alors, avec le, la fin du texte qu'on n'a qu pas entendu, je ne sais pas si vous avez prévu de nous le faire entendre, mais euh, qui a beaucoup choqué, euh, qui a longtemps choqué, sur l'abétissement. Abétissez-vous. Alors, on va, ne on va, va pas aller jusqu'à abétissez-vous, jusqu mais on va entendre quand même la, la suite de cette pensée infinie et rien. Le texte 3. Quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami sincère, véritable. À la vérité, vous ne serez point dans les plaisirs empestés de la gloire, dans les délices, mais vous n'en aurez point d'autres. Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie et que, à chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de certitude du gain et tant de néant de ce que vous hasardez que vous connaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n'avez rien donné. Si ce discours vous plaît et vous semble fort, sachez qu'il est fait par un homme qui s'est mis à genoux auparavant et après, pour prier cet être infini et sans parti, auquel il vous soumet tout le sien de se soumettre aussi le vôtre, pour votre bien et pour sa gloire, et qu'ainsi la force s'accorde avec cette bassesse. C'est le discours d'un homme qui s'est mis à genoux auparavant, Laurent Tiron. Pascal dit quelque part, d'ailleurs, peut-être me direz-vous où ça se trouve, pour avoir la foi, il faut s'agenouiller et, et prier. Euh, qu'en somme, le, le, le geste précède presque la, la décision. Ce qui va avec le « vous êtes embarqué ». En somme, chez Pascal, et de ce point de vue, j'ai presque envie de vous dire que l'argument du pari nous tournerait précisément, nous, nous détournerait presque de Dieu. Euh, il y a chez Pascal, euh, semble-t-il, quelque chose qui est de l'ordre, euh, je dirais presque, de, de l'existence qui précède l'essence. Vous êtes embarqué. Vous êtes embarqué. C'est-à-dire que, euh, avant même de savoir pourquoi vous êtes là, vous êtes là. Et, et c'est en vain d'ailleurs que vous chercherez à savoir pourquoi. Il y a chez Pascal quelque chose qui est de l'ordre véritablement de l'existentialisme, du fait que l'existence précède l'essence, que le geste précède la décision, qu'il faut s'agenouiller pour croire et qu'il faut parier dans le doute. Oui. Il y a chez Pascal euh, la conviction hein, qu'il reprend à Montaigne, puisque c'est une, une des nombreuses formules de Montaigne que Pascal fait sienne, que qui veut faire l'ange fait la bête. Voilà. Et donc, la seule façon d'être un homme, c'est d'accepter la part de bête qui est en soi. Et à l'époque de Descartes, être un animal, c'est aussi un peu être une machine. Donc, la bêtise de l'homme est constitutive. Et qu'il faut qu'il fasse avec sa bêtise, qu'il faut qu'il fasse avec sa machinalité. Je crois qu'une des, une des puissances de l'anthropologie pascalienne, c'est d'être toujours ternaire, c'est-à-dire de penser en permanence l'homme est raison, cœur et corps. Donc que toute, toute démarche qui oublierait une de ses composantes est une démarche mauvaise, bancale, qui ne peut amener à rien. On a vu non. hier d'ailleurs, on a, on a vu mmh. hier que euh, c'est parce que l'homme était doté d'un corps qu'il pouvait être imperméable de temps en temps à, à l'entreprise de le persuader, à l'entreprise ouais. d'être persuadé. En d'autres termes, Pascal déborde la raison des deux côtés, voilà. du côté du corps comme voilà. euh, du côté de la foi. Mais, mais il ne l'oublie pas non plus. Hein Donc dans son, sa soumission et usage de la raison, il parle à un moment de la, de la douceur de Dieu, de la douceur de Dieu de vouloir faire entrer, de vouloir satisfaire la raison. Car il importe pour lui que l'on ne croit pas par raison, mais que la croyance que l'on a satisfasse la raison. Donc, si, si la raison n'amène pas à la foi, il est hors de question pour lui que la foi puisse se passer de la raison. Vous citez un moment le sganarel de, de Molière, dans le Don Juan de Molière, Laurent Thirouin. Je ne sais que dire car vous tournez les choses d'une manière qu'il me semble que vous avez raison, dit-il à Don Juan, et cependant il est vrai que vous ne l'avez pas paradoxe euh, suprême don Jean, qui est l'homme qui croit pour toute croyance hein, que deux et deux font quatre et qui s'en tient là voilà. pascal donne droit à son interlocuteur à la mauvaise foi euh, je vous ai tout prouvé je vous ai dit quelque chose qui me semble démonstratif si les hommes sont capables de quelque vérité et vous me répondez je ne peux pas y croire je n'y peux rien pour Pascal, c'est parfaitement normal que l'on récuse un raisonnement aussi bon soit-il, car de toute façon, il faut nourrir la raison, le cœur et le corps. Il faut faire acquérir une créance euh, qui soit euh, habituée. Mais alors, on, on a en... besoin de l'habitude, on a besoin de tenir compte de la machine. Mais Laurent Thirons, on en revient à ce qu'on disait au début. Pourquoi une apologie de la religion chrétienne, et est-ce véritablement une apologie de la religion chrétienne En d'autres termes, son inachèvement est-il accidentel ou essentiel Pourquoi une apologie de la religion chrétienne chez un homme qui ne cesse de dire qu'en somme, la foi, le fait de croire en Dieu, est essentiellement une affaire de tempérament, de caractère Non, non, il ne dit pas que c'est une, une affaire de, de caractère. Il admet, il admet que certains il esprits pense... soient imperméables à l'art de persuader. C'est donc qu'il y a non, des gens qui, pas, dont, dont pas le pas... cœur peut être tourné vers Dieu et ouais. d'autres. Ouais. Euh, c'est pas, pas qu'ils soient. Impé... Bon, ils sont imperméables à la persuasion pascalienne, mais ils pensent que personne n'est imperméable à son propre bonheur. Euh, Pascal est absolument convaincu que le bonheur de l'homme, c'est Dieu. Et donc pour lui, il y a quelque chose de, de monstrueux dans le fait de ne pas être à la recherche de son bonheur. Contrairement à, à beaucoup de, de commentaires un petit peu tragiques ou terrifiants ou misérabilistes de Pascal, je crois qu'il faut d'abord affirmer que Pascal est un penseur de la joie. Et que de toute façon, l'Augustinisme dont il se réclame est un eudémonisme, est, un est une pensée du plaisir et une pensée de la, de la volupté, de la délectation. Vous avez déjà parlé dans une émission précédente. Vous avez parlé de la douceur Donc, de Dieu déjà aussi. Voilà. Hein. Donc il est absolument normal que l'homme se tourne vers ce qui est son suprême plaisir. Pourquoi ne le fait il pas? Pour Pascal, c'est un mystère. Qu'est ce que lui, Pascal, peut faire? Rien, sinon ôter les obstacles. ôter les obstacles qui rendraient possible une rencontre, en tout cas qui n'empêcherait pas, a priori, une rencontre. Tous les hein, hommes cherchent le bonheur. Tous les hommes cherchent le bonheur, y compris ceux qui vont se pendre. Oui, Et oui. C est, c est donc, mais c'est, un malentendu. Si nous, en somme, voilà. le, le but de Pascal, c'est de montrer que nous nous trompons de voie. Il y a, dans la a, recherche du bonheur, il y a des pensées assez sadiques dans, dans l'apologie. Il y a des moments euh, où Pascal montre en effet. Où Il n'est pas très charitable un... pour ses interlocuteurs. Non, non, non. On ne peut pas dire que la, la charité soit le, la chose qui ressorte le plus immédiatement de la lecture de Pascal. Mais c'est pour ça que j'aimais tant la, la formule hein, du, film, du film de Romère. Euh, ça m'empêchera de faire des choses qui m'empêcheraient de le retrouver. On ne peut pas faire que quelqu'un vienne s'il ne veut pas venir. On ne peut pas faire que, que Charles se retrouve si, de toute façon, il a, il a déjà disparu. Par contre, on peut faire que s'il venait à être, on soit là, plutôt qu'avoir pris la décision d'être ailleurs. En d'autres termes, Pascal ne juge pas l'homme qui se divertit, mais tout simplement lui offre la possibilité oui. de passer aux choses sérieuses. D'abord, Pascal ne, ne condamne pas le divertissement, il commence par le. Non, parce par, que c'est un lieu commun sur il ne le condamne pas. pas hein. ouais. Allez-y, allez, allez Laurent Tiron. Il marque la raison du divertissement, et il montre aussi que le divertissement est une solution qui n'est pas durable. Alors, il, il a une, une remarque qui est d'une très grande simplicité, je trouve absolument définitive, Pourquoi ne pas chercher le bonheur dans les choses de l'extérieur, dans le divertissement. On pourrait. Les philosophes veulent nous faire croire que le bonheur est en nous. Pascal dit on voit très bien que le bonheur n'est pas en nous. On a tout à fait raison de se divertir. C'est très efficace de se divertir. Pourquoi donc ne pas passer toute sa vie à se divertir Et Pascal ne dit pas parce que c'est pas bien, parce que c'est immoral. Non, il a une seule réponse parce que les maladies viennent. C'est en cela que Pascal est peut-être un, un penseur de la joie ou peut-être de, de la plus grande santé. Merci Laurent Thierroin. Merci Laurent Tirouin. Je rappelle que vous enseignez à Lyon et que vous êtes l'auteur notamment du livre Le hasard et les règles, le modèle du jeu dans la pensée de Pascal, paru chez Vrin. Ne vous y trompez pas. La chanson de Brassens que vous entendez est la chanson d'un homme qui croit en Dieu et qui croit en Dieu malgré le monde. Laurent Tirouin, Brassens, chanteur de la joie. Demain jeudi, suite de la semaine qu'on consacre à Pascal dans les nouveaux chemins de la connaissance, je recevrai Vincent Carreau, auteur de Pascal et la philosophie, paru aux presses universitaires de France, qui viendra parler du moi, l'autre nom de l'amour propre chez Pascal. À la technique aujourd'hui, c'était Bruno Nievdansky, à la réalisation François Konak. bravo à lui. Assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Léa Vensteyn, France Culture. Dans quelques secondes, il sera 17h50, et juste après le regard d'Albert Jacquard, on retrouvera Laurent Goumar, aux manettes de son rendez-vous quotidien.